Quel est votre état d'esprit donc ce soir après l'intervention de l'énervement, ouais. L'énervement, ils nous prennent un peu pour des cons tout ça, ils voient pas ce que les agriculteurs ils font tout ça, ce qu'on fait pour eux, on fait quand même pas mal de sacrifices et ils font pas attention à ce qu'on fait, les gens qui ont du mal tout ça ils regardent pas. Voilà, ils font pas attention. Ils préfèrent donner des sous à des gens qui en ont besoin, mais qui viennent pas de la France, forcément. Et les Français, ils sont là de père en fils, de grand-père, et ils sont là, ils ont du mal, surtout dans le sud. Ils ont des parcelles des SAU de 80 hectares. Et comment ils sont plus dans le mal que nous, et il faudrait quand même les aider, parce qu'il y a à peu près un suicide par jour. 2016, parce que 2016 c'était même compliqué et ça quand même triste. Pour les jachères, il n'a rien dit par exemple. Alors que c'est simplissime, mais vraiment simplissime de démontrer que la jachère c'est une hérésie écologique. Pourquoi c'est une hérésie? Ah, alors évidemment, il y a des personnes, est-ce que j'ai le droit de les citer, M. Jadot, puisqu'il était sur BFM TV hier soir, et quand il nous disait, ah bah oui, mais de toute façon, c'est important de faire la jachère, vous pouvez en faire, vous pouvez même encore en faire plus, et c'est bon pour la biodiversité, mais non. Non, la biodiversité, même si c'est quelque chose d'hyper important, moi, selon moi, le mal qui nous guette, c'est le réchauffement climatique. Il faut aujourd'hui tout faire, sachant que le réchauffement climatique, c'est quelque chose qui concerne les personnes du pôle Nord au pôle Sud. Chaque fois qu'il y a une molécule de CO2 qui s'échappe issue de carbone fossile, c'est mauvais pour la planète. On n'y peut rien, c'est comme ça. Et la jachère, c'est quoi? Vous prenez 100 hectares de terre, vous en laissez 4 de côté. Alors, pas forcément les meilleures terres de la ferme, mais il y a aussi des gens qui ont des fermes qui sont homogènes, bonnes ou mauvaises, mais homogènes. Alors, 4 hectares de terre en moins en moyenne, ça va être 24 tonnes de blé, 25 tonnes de blé qui vont pas être produites.
qu'est-ce qui va les produire ces tonnes-là? Parce qu'avant, si on les produisait, c'est qu'il y avait bien quelqu'un qui les consommait. Qu'est-ce qui va les produire? C'est la Russie. Parce qu'il n'y a plus qu'eux qui ont des terres disponibles. Mais ces terres disponibles, c'est quoi? C'est la Sibérie, c'est la toundra sibérienne, là où on fait 8 à 10 quintaux, mais ils y vont quand même. Ils vont cultiver 30 hectares pour compenser les 4 hectares que nous, on n'aura pas fait. Mais mettre en culture la toundra sibérienne, c'est quoi? C'est attaquer de la terre qui est à 10% de matière organique, peut-être. C'est provoquer l'oxydation de la destruction de l'humus, et c'est du gaz carbonique, voire du méthane, parce qu'il y a du permafrost qui va fondre, voire du méthane qui va s'échapper. Au bout du compte, qu'est-ce qui va se passer? Le réchauffement climatique, il va s'auto-accélérer. Pendant ce temps-là, nous, on ira cultiver avec un sécateur nos 4 hectares de jachère, peut-être, pour la biodiversité. On ira compter s'il y a plus de pucerons, s'il y a plus de moucherons, si les chauves-souris sont bien nourries. Bon, qu'est-ce que vous avez pensé de l'intervention de Gabriel Attal tout à l'heure? Bon. Je pense que politiquement, il a bien parlé. Il a essayé de dire qu'il était d'accord avec nous. Mais au niveau des actions, ben, c'est plus limité, quoi. C'est sûr qu'il est d'accord, qu'il nous respecte, ceci. Mais au niveau des actions, le GNR, ben, c'est pas vraiment finalisé. Il a pas parlé de tout ce qui était problème phyto, des ZNT. Pour moi, il n'a pas abordé les vrais problèmes. Et je pense que là, on va rester ici, on va essayer de faire que le mouvement perdure afin d'obtenir plus de choses, je pense. Vous avez l'intention donc de vous rapprocher de Paris demain? Je ne pense pas demain. Déjà, il y a la marche vis-à-vis des personnes qui sont malheureusement décédées dans des conditions atroces. Et je pense que là, il y a un respect. Donc demain, à 14h, il y a une marche auquel on va assister, j'espère, à beaucoup de monde. Et puis après, ben, on suivra les instructions. S'il faut monter à Paris, on montera à Paris. Gabriel Attal donc, est allé à Carbone et il a été apparemment bien reçu. Et après son intervention, ils ont levé le camp à Carbone. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Après, vous savez, entre le Nord et le Sud, les revendications sont différentes. Après, chacun dépend quand même à ses priorités. Qu'en pensez-vous l'intervention de Gabriel Attal tout à l'heure? Gabriel Attal parle comme un livre. Il a annoncé des mesurettes pour essayer de nous calmer. Mais quand on analyse ce qu'il a dit, il ne va pas au fond des choses. Donc, on est très déçus de son intervention. Donc, on poursuit le mouvement. D'accord. Quand vous dites on poursuit le mouvement, c'est-à-dire concrètement, qu'est-ce que vous comptez faire? Eh ben, on continue à rester sur nos lieux de blocage, oui, jusqu'à temps qu'ils reviennent en modifiant sa copie. D'accord. Vous comptez vous avancer de Paris, rentrer dans Paris? Pour l'instant, on est aux portes de Paris. Oui. Donc, ça mettra le temps que ça mettra, mais on garde notre position. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé de l'intervention de Gabriel Attal? Alors, moi, quand je l'ai vu, c'est vrai que j'ai trouvé que les gens qui étaient autour ont apprécié ce qu'ils ont dit. Ou alors, peut-être parce qu'ils étaient sur place, ils se sont dit, voilà, c'est quelqu'un qui est bien, il voit ce qu'on le souhaite. Par rapport à ce qu'il a dit, il y a quelque chose de concret qui est le fait que la taxe sur ne va pas être appliquée. Par contre, le reste au niveau des normes, bah ça, c'est pas concret, il faut attendre. Il faudra attendre sûrement plusieurs semaines, voire des mois, pour que ça soit mis en place. Oui, est-ce que vous pouvez expliquer votre ressenti par rapport à l'intervention de Gabriel Attal tout à l'heure? Bah, malheureusement, ça n'a pas été une surprise. On s'attendait beaucoup à peu d'annonces qui nous contentent. Donc, il faut qu'ils travaillent encore sur le dossier parce que il y a beaucoup d'attentes qui proviennent aussi du droit européen et de ce côté-là, faut qu'ils se rapprochent et puis qu'ils fassent changer les choses. Et ça, c'est la convergence des luttes de chaque pays puisque les revendications, les problématiques sont les mêmes dans les autres pays qui manifestent. Oui, alors donc le mouvement perdure donc.
Oui, aujourd'hui on continue, il n'y a pas de remise en cause pour arrêter. Demain on fait juste un rend hommage à l'agricultrice qui est décédée avec sa fille, on garde nos positions sur l'autoroute et on va même se rapprocher un peu plus en fin de journée, un peu plus près de Paris. D'accord. Vous passez la nuit ici ? Non, ce soir je vais rentrer, mais ça s'organise, hein, c'est organisé. Il y a toujours une vingtaine, une trentaine de personnes qui dorment sur place. Et puis moi je suis éleveur, donc je rentre faire mes animaux pour demain matin et je reviendrai après. Qu'est-ce que vous pensez du fait que Gabriel Attal a été applaudi à Carbone tout à l'heure et que le camp a été levé à la suite de son intervention? Ben, c'est aussi une récompense, c'est eux qui ont initié le mouvement, donc il était pour moi normal qu'il aille se rendre sur place là-bas. Maintenant, acclamé, je suis pas sûr qu'il les ait contentés aussi. Hein. Ils ont levé le camp. Entre l'arrivée et puis le départ, il a peut-être été refroidi de son accueil. Mais non, aujourd'hui, ce début de son discours, c'était... il nous a fait le chant des sirènes, mais nous, on veut du concret à nos problématiques. C'est pas non plus de nous flatter sur notre utilité. Il y a 120 questions qui lui sont posées. C'est qu'il aille dans le sens des questions. C'est pas les détourner. Il y a beaucoup de réponses à apporter.